Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Zelenro. Donc Salut, salut. voilà, sur Naraka cette fois-ci et pas sur Dragon Ball. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une caméra. Du coup c'est la petite nouveauté. Bon, il faut que j'ajuste encore 2-3 trucs. Enfin voilà quoi. Ah, on te voit. Donc c'est pas encore optimal. Et oui, on me voit. C'est cool ça. C'est la petite C'est une nouveauté. dinguerie, c'est une dinguerie. La petite nouveauté. C'est une vraie dinguerie. Donc voilà, on va dire l'intro a assez duré, donc enfin a été assez longue, donc je vous balance. Oui, c'est ça, l'intro, et puis on se voit sur Naraka. À toutes. Donc nous revoilà, cette fois-ci sur Naraka, et Ouais. on va inviter Zelenro. Allez hop, comme ça. Donc je vais faire comme d'habitude, hein, une partie en mode bot, et on va faire une partie, parce que je crois que tu avais payé t'avais payé pour que tu puisses jouer, on va dire entre guillemets, en ligne, quoi, en mode classé. C'est ça que je cherchais, c'est ce mode-là. Ouais. Et du coup on va partir en mode classé directement après. Allez, on prend une petite tenue pour m'attarder. Hop. Ben, je vais en profiter pour la voir, cette tenue. Elle donne quoi, cette tenue pour m'attarder, là? Ah oui, donc ça, c'est élégance absolue, mais ça, c'est celle que j'avais de base obtenue. D'accord, c'est la mère Noël. C'est la mère Noël, littéralement. Ouais, il est stylé comme ça. Hein. Je la préfère en mode génie avec son truc violet. Mais c'est pas ma taille que je vais utiliser dans tous les cas. L'aube de l'aventure, j'ai des trucs. J'ai Oui, quoi? on me voit tourner la tête parce que tout simplement c'est que j'ai mon micro en plein devant là, juste là. Je sais pas si on voit mon doigt ou quoi. Juste là. Et du coup bah c'est que je vois pas complètement. Parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis sur un PC portable. Du coup bah c'est la galère la disposition. Donc bon, c'est vachement limité. Sachant que je suis sur mon canapé. Donc c'est un bordel. Voilà, simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Et bah c'est parti, c'était chaud, moi je suis chaud. Eh ben, j'ai juste à attendre que tu m'aies prêt, et puis ça devrait te faire. Ah merde. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Hop. Petit minou. Ici, il a appelé le petit minou, ici. Moi, mon chat, j'avais envie de le démonter tout à l'heure parce que je me disais, ah, ils avaient plus d'eau. Et je me dis, c'est bizarre, en ce moment, ils ont beaucoup de fois plus d'eau. Ils carburent au niveau eau. Non, 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 en fait, c'est juste qu'ils jouent avec la gamelle d'eau et ils la font tomber. C'est des génies. Putain. Mais c'est pas, ils la font tomber d'un meuble et ce qui fait que le bol, il se casse. C'est en fait, le bol, il tient sur un truc. Sur un petit socle, on va dire, c'est un bol, mais avec un tout petit socle là, au milieu. Ce qui fait qu'en fait, il leur donne juste une coup de patte, le truc, il bascule et c'est terminé. Incroyable. De base, ils ont une fontaine à eau, mais vas-y, j'ai la. Ouais, après, ça fait 2 mois que la fontaine à eau, elle est dans l'évier de ma cuisine, à attendre de se faire nettoyer. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Ouais, tout à l'heure mon chat il m'a attaqué, j'ai pas compris pourquoi, enfin bon, c'est pas si grave, je m'en fous. Ah là là, et ouais, moi aussi j'ai des nouvelles images maintenant quand je. Voilà, t'as vu? Donc la dernière fois on était en live sur la chaîne de Zolenro. C'est vrai que faut que je leur explique le contexte pour ce que je vais te dire juste après. Donc la dernière fois on était en live avec Zolenro. Et puis bah, je lui avais expliqué l'importance de quelques. Comment ça s'appelle? De quelques skins d'armes que j'ai. Et du coup, bah, c'est pour ça que je vais lui demander enfin, je vais lui dire des fois de prendre certains de mes skins, on va dire. Pour qu'il a plus de.
pas de facilité, mais il y a plus de style, on va dire. Enfin, ou peut-être plus de Mmh. dégâts, je sais pas. Donc voilà, donc Zoen Rose, au besoin, quand tu as besoin d'un skin assez légendaire, tu me le dis, tu me passes bah, l'arme et je te la customise pour que tu aies le pouvoir adéquat, on va dire. Donc voilà. Oh, les hallebardes. Ah bah vas-y, je vais prendre ça, moi. Hop là, allez. Nickel. Par contre, je l'ai jamais testé ce pouvoir. Attends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Modifier la deuxième frappe verticale aux hallebardes double et restaure 160% des dégâts infligés sous forme de santé ou d'armure. Mais c'est de la triche! Ah. Ah bah, attends, je vais pouvoir tester. Mais c'est trop stylé! On est clairement d'accord dessus, hein. Ce que je viens de faire, c'était terriblement stylé. Je connaissais pas ce nouveau pouvoir, et ben, je le trouve incroyable. Voilà, tu dégages, toi. Non, mais oh. Alors, voyons voir. Hop, hop. J'espère que vous voyez tout, parce que comme j'ai disposé la caméra, c'est vrai que c'était pas tip top. Et sur Naraka, je sais pas comment disposer un peu la caméra, parce que même quand j'écoute de la musique et que j'ai en peinture en picture une picture, et ben j'ai du mal à disposer, donc c'est pas ouf. Donc j'espère que vous voyez bien les mes abonnés ou ceux qui regardent, même c'est pareil, hein, ceux qui regarderont. Ouais. Donc j'espère bien que vous verrez. Regarde, Hop. je sais pas si t'as vu ce que j'avais fait tout à l'heure. Si, c'était stylé. C'était stylé avec l'encre et tout. Ouais. Ouais, si, ouais. Là, pourquoi pas. Ouais, le katana, pourquoi pas, il se fait. Si tu veux, je peux l'avoir en rose. Si tu me pêches, je peux l'avoir en skin. Non, ça va aller. Bon, c'est à toi de voir. Hein. Je propose, c'est tout. Je fais que proposer. Ça va aller, moi, franchement. Mon cher ami, je fais que proposer. Hop, un petit nunchaku. Le Nunchaku, je me suis renseigné, Oh. ça, il fait partie une des armes les plus puissantes putain, faut que j'arrive à parler. C'est compliqué ce matin. Dis-moi ça. C'est vraiment très compliqué de le manier. Et du coup, ça en fait l'une des armes les plus puissantes du jeu. Et ben moi j'arrive très bien à le manier. Tac tac tac, boum bim bam, slam. Ok. Hop. T'es quoi toi? Ouais, une charge pistolet. Enfin, ouais, bon, pas Mais terrible. vous voulez quoi vous? Oh, vous allez vous calmer en fait. Oh, j'ai un éventail. Si c'est pas de la triche, ça. Ouais, bien sûr. Oh, yeah. Voilà, un éventail qui peut faire des dégâts. C'est cool. Voilà. Ah, j'ai la grande épée si tu veux aussi. Je la custom d'ailleurs. Voilà. Il y a aussi un de nous deux la veut. Elle est custom. Voilà. Elle est un peu custom. Dun, Et ouais. dun, Bon, flemme de décrypter le bordel pour avoir un trésor. J'ai jamais réussi à le décrypter à part une fois. dun. Bah, c'est parti, on continue. Ouais, on continue. J'aurais bien aimé des hallebardes Des pour le coup. ruines. Ouais, t'es quoi toi? J'aurais bien aimé des hallebardes un peu plus puissantes, j'ai envie de dire. Oh, stylé! Qu'est-ce que t'as? Enfin, Non, je sais qu'est-ce pas, que. il y a une statue qui s'est ouverte. Et c'était stylé.
Ah ça. Ouais, mais tu peux pas utiliser ton power. C'est pas grave. Faudrait que ça peut être pratique. Enfin, moi je l'utilise pas forcément non plus, non. Donc voilà. Parce que mon pouvoir, au final, eh ben, je l'utilise pas tant que ça. Donc, c'est pas grave. C'est vrai que ton Pourquoi elle pouvoir. continue de bouger, elle? C'est Peut vrai que plus ton. m'arrêter? Ah oui, putain. Oui. Je crois qu'il fait une ou deux roulades. Comment on fait une roulade déjà? Je sais plus. C'est. Je crois que tu m'avais dit que c'était. Ça, j'ai activé le truc. Ouais, automatique. C'est. Je crois que tu m'avais dit que c'était tab chez toi. J'ai pris une fleur et ça a fait ça. Oh, il y a quelqu'un. Il y a un ami. Eh, mais j'avais pas vu, mais t'as des hallebardes. Ah, mais non, c'était Nunchak. Honte à moi. J'ai trompé des Nunchak avec des hallebardes. Ah, mais c'est incroyable. Allez hop 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 là, tu dégages, voilà. Attends, faut que je me rappelle, c'est quelle arme que je peux transformer en hallebarde? C'est. Oui, c'est bon, je viens de me rappeler. C'est bon, tu l'as eu? Bah ouais, je lui ai cassé la gueule. Faut savoir, on n'est pas très loin de la zone. Et encore des gens. Salut tout le monde! J'arrive. En plus, elle a des doubles lames. Si c'est pas beau, ça. Hé, viens là! Viens là, mon double. Et voilà. Nickel, t'as gère. Mais double. Ouais, non, mais regarde-moi ces doubles lames là. Mais sérieux. Des doubles lames, genre normal, ordinaire. Regarde, il y a une armure épique. Ça pourrait t'intéresser, non? Alors, je l'ai déjà. Ah, bah, moi je vais la Ah, mais prendre. attends, mais. Mais comme ça restaure, ouais. Ah, oui, c'est vrai, ça restaure. De Et rien. ben voilà. On va casser des têtes. Ouais, on va casser la gueule. Non, en vrai, j'ai toujours pas le titre de cette vidéo. Faut le dire. Ah. Je l'ai Moi, je pas. le trouve vraiment en full impro, généralement, les titres des lives, comme ça me vient, et Ouais, puis... bah moi aussi, c'est généralement comme ça. Oh, joli, c'est la première fois que j'arrive à parer une attaque sur la nouvelle arme. Oh, toi, par contre, je vais te prendre. Bizarre sortie de son contexte, d'ailleurs. Alors toi, tu vas pas me saouler, d'accord? Elle avait chaud, je lui ai mis des coups d'éventail en cas où. Ouais, je prends ça. Ouh. Toi, t'es stylé, toi. Épée longue, ouais. Vas-y. Quelque part. Oh, faut Voilà. juste que je répare. Tiens, retour au point de départ. Tu peux... Et voilà comment avoir des hallebardes ordinaires. On peut passer de ordinaire à rare. Ce qui est pratique avec ce que je viens de faire.
Je sais qu'avec un pote, on avait essayé les modifications qu'on pouvait faire sur certaines armes. Et du coup, bah, si tu customes certaines armes, tu peux, enfin, custom, les modifier. Genre les doubles lames, tu peux les modifier en hallebarde. D'accord. Mais je sais plus avec quelle arme tu peux faire ça aussi. Kurayami Je crois que le fauchard, tu la customises, enfin tu la mets en... Oh, des hallebardes. Oh, moi je prends ça. Les hallebardes... Non. Oh, je me mélange les pinceaux. Le bâton devient une lance. Le fauchard devient la grande épée. Ou le contraire, hein. La grande épée devient le fauchard. Et le reste, je sais plus. D'accord. Par contre, il y a un truc que j'avais pas remarqué avant. Il y a moyen que tu me couvres? Oui. Je vais régler un paramètre vite fait. Ouais, je fais ça en pleine vidéo, enfin normal quoi. Oui, bah je vois ça. Hein. C'est les bruitages, je les ai pas. C'est bon. Hein? Merci, ma belle. C'est bon, c'est bon. Allô? Ouais. Oui. C'est bon, c'est Ça bon. va et toi? Ah, ok. Je vais pas tuer. Ah. Ouais. Oui, bah, c'est Gabriel qui vient. Alors, mon copain me dit oui, il peut venir avec nous. Je suis dit, j'ai qu'une place devant avec moi. Donc, c'est Gabriel ou toi, et toi, tu viens tout le temps. Donc, on peut changer aussi. On peut. Voilà, Gabriel, il peut. Elle Ouais. s'est mise à pleurer, et j'en ai marre, et c'est ma seule sortie. Je lui dis, ouais, c'est ta seule sortie, mais en même temps, je vois ça à l'extérieur. Tu ne peux pas venir? Et oui. Et je lui ai dit, tu sais qu'un jour, je vais te me prendre 3 000 euros d'amende. Parce qu'un client qui s'est. Un contrôleur qui s'est passé pour un client et qui me demande ton contrat de travail, t'en as pas? Ouais. Donc, moi, c'est quoi? Ouais. Alors, elle est venue au salon, finalement, puis quand on a fait les choses, elle me dit, oui, puis il y a quoi à manger? Parce que je voulais acheter des légumes. Je vais le protéger en attendant. Carrément pas. Oh,
Et voilà, on a fait top 1, on a réussi. C'est... ma chance légendaire. Voilà, donc probabilité que j'ai ça, on va tous regarder, elle est là, 75%. J'ai rien fait de tout ça, c'est incroyable. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, oh, oh. Oh. Et pourquoi c'est bloqué? Voilà. Ok. J'attends plus que le Zolendro maintenant. Ouais. Ouais, je suis en appel avec ma mère, là, elle va me rappeler. Parce que des dingueries encore avec ma grand-mère. Donc Ok. au pire, refais une game en solo. Moi, j'ai mis un écran de pause là sur le live. Je reviens juste après. Ok. C'est bien, on a fait top 1 là, c'est cool. Ouais, bah en même temps, c'était un facile. Ouais, ça serait bien de... Ah, après, tu m'as en classé après? Ouais, bah je t'attendais dessus en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, commence en classé. Moi, je quitte le lobby, mais je reviens juste après, le temps de discuter avec ma mère. Et voilà, je dirais que je suis en live, comme ça ne durera pas longtemps. Ok. Et là, ouais, j'ai mis un écran de pause en prévenant les gens que je suis juste en appel. La première fois que j'utilise l'écran de pause, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé l'écran de pause. Après là je suis en train de paquer en vrai donc Il n'y a pas de souci. Je sais pas comment on quitte le lobby. bah, attends je vais le quitter, attends 30 secondes. Pas de souci. Bon bah on voit bien ma chance légendaire. Ah. Voilà c'est bon, je vais quitter. Du coup, ouais, je vais me mute pour pas qu'on m'entende sur ton enregistrement. Bah en fait on t'entendait de ouf, du coup bah je t'ai mute aussi. C'est pour ça Ah, tu que... m'as mute. Ouais, c'est pour ça.
Ok. Bah dans tous les cas là, je vais retirer le micro du casque donc on n'entendra plus rien. Ok. À moins que quand je retire le micro du casque, il change automatiquement de Périphérique. truc, c'est pour ça. Peut-être. Au pire, c'est quoi? Hop là, je me mute sur Discord, comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de son. Oui, c'est sûr. Bah, je vais partir en... Tu pars en classé et puis Bah je oui. reviens. Bon, au pire, en vrai, Je tu reviens seras dans là un petit quart d'heure. pendant un quart d'heure environ. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Ouais, bah je vais me faire une partie. Je vais me faire une partie à mode bot et je vais mettre en pause l'enregistrement. Pas de soucis. Temps de faire mes petites quêtes quotidiennes. Aucun problème. Allez, nickel. À toute. Ouais. Ça reprend normalement. Ouais, c'est ça. Ça reprend. Donc, nous revoilà. Là, ici. Donc, j'ai obtenu d'autres. Ah oui, et les gens, demain, du coup, demain, je suis en live. Normalement, je n'ai pas dit, mais normalement, parce qu'en fait, du coup, demain, j'ai ce rendez-vous, du coup, à la mairie que je dois faire. Mais en fait, après, j'ai un trou de début d'après-midi jusqu'en fin d'après-midi, 18h. Donc, pendant l'après-midi, normalement, il y aura un live sur Final Fantasy VII. Continue demain. Si je suis pas allé, parce qu'il y a moyen que demain, du coup, j'aille dans ce nouveau lieu. Si elle est, si ma mère est dispo, qui est en train de m'expliquer 2-3 trucs et tout, parce que voilà, elle a des soucis, elle a des petits problèmes de cantine. Ça, vraiment, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que l'école dans laquelle sont mes petits frères, et bah, la mairesse de la ville, du village, a dit non, on les veut plus dans la cantine. Pour des conneries, hein. Vraiment des conneries. Et du coup, bah, ça fait un peu chier ma mère parce que oui, se déplacer le midi, puisque l'école est pas assez, est pas très proche de la maison, on va dire, bah, ça fait un peu chier. Donc voilà. Ok. Mais du coup, ouais, demain, soit je vais pas du coup dans ce nouveau lieu demain et j'y vais vendredi, et donc du coup, demain. Après la mairie, je reviens et je peux live directement sur Final Fantasy VII. Soit je liverai pas de la journée et j'irai dans ce nouveau lieu. Et vendredi, je liverai le soir ou le matin, ça dépendra. Ok. Eh Voilà ben. dans les grandes lignes. Ok. Bah, comme vous avez vu, donc. Pas à ton live, mais plutôt à ceux qui vont regarder sur moi. Comme vous avez vu, bah, j'ai repaqué un petit peu parce que j'avais fait une partie en on va dire hors vidéo parce que j'étais obligé de mettre pause, enfin tout un petit truc. C'est pas si grave finalement. Et du coup, bah, j'ai obtenu de quoi paquer. Et comme vous avez vu, bah, ma chance légendaire était là, c'est-à-dire rien de très spécial. Donc on part en mode classé, comme promis, et c'est parti. Allez, on va se faire soulève. Ah mais littéralement, quoique la dernière fois, en vrai, avec c'était qui? Enfin je sais que je l'ai fait. J'ai déjà fait un ou deux top 1 tout seul, en mode classé. C'était hors vidéo, donc pas de preuve. Ah si! Ah. Si si, si si, pardon, je dis n'importe quoi. S'il y a une preuve, j'ai déjà fait top 1 en vidéo. Et c'était ma première vidéo, je crois. Ma toute première vidéo sur Naraka. Et je crois que c'est la première fois que je joue en mode classé, donc c'est la première fois que je joue avec des gens. Donc ça va être une grande première pour moi. Donc, tu veux des conseils pour cette première partie ou tu veux vraiment Oh découvrir et me laisser dans la grosse galère? non, je vais découvrir. D'accord, donc tu veux me laisser dans la grosse Regarde-moi galère? ça, le regard dans le vide. Tadadam. Tadadam. Ok. Ils sont mignons les persos quand même, hein. Enfin, elles sont mignonnes les meufs dans ce jeu. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Bon, du coup, il va me falloir une arme bien spécifique et une armure bien spécifique aussi.
Ouais. C'est pas cool. C'est parti Let's go. de la réparation. Je pensais pas du tout à cette arme, mais moi j'aime bien aussi cette arme. Elle me va très bien. Ah bah voilà, nickel, j'ai les deux armes. J'ai deux armes, nickel. Une arme légendaire, ça commence direct. Ça s'appelle la chance de ouf là, par contre, pour une fois. Et puis j'ai eu ce que je voulais, donc mon petit katana. C'est nickel pour moi, il me manque plus que l'armure. Si j'ai l'armure que je veux, voire mieux, et ben Ok. je peux aller casser des têtes. Il me faut juste un petit peu de chance pour avoir l'armure que je veux. Bon, en attendant, on va prendre celle-là. C'est quoi ça? D'accord, aucun ennemi en vue pour le moment. Ok. Il me faudrait une armure épique, ça serait En limite. fait, là, en mode classé, c'est un peu comme Fortnite. Là, on est contre des vrais gens, c'est tout. C'est ça. Et après, de là à dire c'est comme Fortnite, bon, voilà quoi. Non, mais voilà, dans le style, en gros, c'est la même chose que le mode bot, sauf que là, c'est des vrais gens. Oui. Bah, ça a toujours été ça, Naraka d'ailleurs. Bon, après, il y a le mode conquête, mais bon. Il devient beaucoup trop complexe pour qu'on s'y attarde. Ou on fera ça genre dans une prochaine vidéo, je sais pas quand. Oh, c'est beau ça. Je prends ça, je prends ça. Et ben dans cette partie-là, bizarrement, j'ai pas mal de chance. Ok. C'est bon ça. Ah, il y a des gens. Oh non. Fiona, parce que je sais qu'ils vont être plus forts que nous, c'est fort probable parce que j'ai pas l'armure adéquate. Généralement, tant que j'ai pas l'armure adéquate, je les évite. D'accord, bah je vais prendre le poignard parce que le poignard, il est violet. Tu veux que je le personnalise? Tu sais que tu as une capacité bien spéciale avec. Non, ça va aller. Comme tu veux. Oh, je veux voir tout ce qui est. Oh! Eh ben, c'est bon, on peut aller vers des gens. J'ai mon armure violette. Eh ben, là, on peut aller casser des têtes. Je suis Je suis complètement prêt. armure grise. Je suis complètement prêt. J'ai une arme légendaire. Mon armure épique. J'ai des belles choses. Je vais mourir dans 2 secondes, je sens. Bah franchement, quand ils veulent s'y mettre, les gens, oui, tu meurs en genre même pas 2 secondes, même pour moi. Il faut vraiment savoir manier quasiment tous les coups. Quasi. Parce qu'il y a des moyens de moyenner des choses. Ouais, ma phrase était légendaire. Moyen de moyenner des choses, quoi. Je prends ça et on part. Allez, on va y arriver. Oh, j'espère. J'aurais voulu éviter un piège de pieu là. Ouais, bah c'est facile à les éviter ceux-là. J'ai entendu un bruit d'engrenage et après j'ai entendu un ting, mais rien m'a touché. Ouais, ça me paraît pas mal ici. Voyons voir ce qu'il y a de bien. Ouais, des choses. Il y a des gens. Ah. Ça nous tire dessus. C'est pour ça que je dis ça. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Ouais, ça c'est fait. Prends un sandwich. Ouais, j'arrive. C'est moi ou J'ai on les... pris pour l'un d'entre eux. C'est moi ou on les a fait complètement en 2 secondes? Oui. Tiens, il y a une armure épique ici. Ça peut beaucoup t'aider. Oui. Alors, 5. Eh ouais, good as new. Eh, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ça serait ouf qu'on fasse top 1 first try, mais. Ça m'est déjà arrivé, genre vraiment. Bon, on va dire que là, je suis complètement équipé pour faire un top 1. Alors moi, il me faut des trucs d'armure, parce que ma parole que j'en ai pas. Prends des cuirs, parce que là, ça va vraiment beaucoup t'aider. Genre attaque et santé. C'est surtout ça qui va t'aider. Je te laisse looter. Il me faut vraiment des trucs. Là, il faut Voilà. des trucs vraiment solides des fois. Là, j'ai vraiment de quoi faire top 1, donc ça serait bête de perdre avant que. Oui. Bah, si je te dis que aux armes corps à corps, donc c'est-à-dire poignard, éventail, et j'ai dû en oublier 2-3 autres, peut-être Nunchaku, mais je suis pas sûr. Il y a encore 2-3 autres, pareil. Et ben. Pardon. Et quelqu'un. Bah, je peux leur infliger du poison. Du coup, en fait, là, ils sont empoisonnés. Il servait à rien ton power. Allez hop. 2 secondes, il nous a pris celui-là. Ah là, nickel. Parfait. Et voilà. Encore. Voilà, ça dégage, non mais oh. Ah, tu utilises le katana? Bah, c'est parfait. Ouais. C'est l'arme qu'il faut utiliser, une des armes qu'il faut utiliser en PVP, j'ai envie de dire. Ça serait dingue qu'on débloque les vagues direct, de suite. Je disais bien qu'il y avait quelqu'un ici. Il y a des gens vers moi. Ah, ok. Désolé, je t'ai complètement volé ton kill. Oh non, c'est moi qui l'ai eu. Ah d'accord, moi je pensais l'avoir volé. Oh mais c'est quoi cette chance légendaire que j'ai? C'est incroyable! Peux pas me laisser recharger vite fait mon arme ou comment ça se passe? Elle va où elle? Ah! T'es où? T'es où? Est-ce que je te Et vois? derrière. Ouais, je viens de voir. J'arrive, je recharge juste, comme ça je ferai. Allez! Je suis resté à 10% de vie pendant je sais pas combien de temps. Et GG. je l'ai quand même fumé.
J'en ai fumé deux d'ailleurs parce qu'il y en a un, il s'est ramené et vraiment je suis resté à 10% de vie. Je me prenais un hit, c'était fini. J'avais même plus d'armure, plus rien. GG à toi. Oh là là, je les ai fumés, Ennemi. Max. Ennemi. Je ne Ah, vois mais plus. en fait, elle m'a désarmé. Je lui ai volé sa grande épée, je crois. C'est pas si improbable que ça se passe comme ça. En fait, je crois qu'on s'est désarmés mutuellement et du coup, je lui ai volé sa grande épée. Nice. Je crois que j'ai vraiment le combo idéal. Éventail légendaire et empoisonnement au corps à corps. Ah. Hey. Allez, mais je suis trop fort! Au secours! J'arrive! Oh, deux fois il mène déjà. Ah putain, j'ai plus rien. Oh putain, c'est quoi ça? J'ai une interface qui vient de s'ouvrir. Merde! Laissez-moi tranquille! Putain, mais arrête de tout rire! Truc de Steam de merde! Putain, j'ai pas d'objet de réparation. Oh, c'est chiant. Ah, mais t'es mort! Oui, justement. Je sais pas si j'arriverai à trier. Ça devrait le faire. Bon, j'ai un Oh, bah, le poison. gars, il se barre. Pas nickel. Moi, ça me va. Hop là. Je te montre des patents. Par contre, là, il me faut un corps tué là pour récupérer. Il y en a plein. Je commence à quelqu'un qui va pas tarder à venir. Je crois. Vas-y, Alors, je termine-le. sais pas ce que j'ai pris, mais. Surtout que le gars il m'a même pas looté, mais je comprends même pas pourquoi d'ailleurs. Il aurait dû me looter. Oh, merde, Oh j'avais putain, plus je de vais vie. mourir. J'arrive, j'arrive. Ah bah. Putain, mais enfoiré, il arrive à me désarmer! C'est le gars de tout à l'heure. Il est où? Il est là. Hop là! Esquive! Et je l'ai fini, ça y est. Putain! Oh, Oh là là! il était corsé. Comme le café. Ah, oh, c'était la vanne de trop là, je crois. Ah, faut en profiter pour looter là. Oh non, mais c'est une blague, ça revient. Il y en a plus, il y en a Suis encore plein. descendu là. T'es où? En haut, et on m'a complètement désarmé. Et on est trois. Trois sur moi, non mais lol. Bon, ça va, ils sont en train de se barrer, bagarrer entre eux là. J'ai le temps de me réparer un truc, ou deux. Bagarrez-vous entre vous. J'arrive. Mort. Ouais, je viens de voir, j'arrive. Réside-toi. Ah, t'es en haut, ok. J'avais pas vu que t'étais revenu. Oh, c'est chaud le mode classé, hein. Ouais, mais on y arrive, on y arrive. Allez, vite, 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 vite. Allez, hop, parfait. Putain, on me lâche pas. Athos, comment je te déteste, Akos. Allez, c'est fait. Mais ça ravive pas tout! Ah, les bâtards! C'est vrai qu'il y a une défense un peu plus élevée là. Allez, Akos. Il est mort, nickel. C'est quand tu veux que tu te soignes, merci.
Si tu veux prendre l'éventail, tu peux, il peut vachement aider. Ah, j'avais pas vu, tu pouvais pas. Ok. Allez, c'est fait. Un en moins. Putain, c'est le champ de bataille, vous. Ah, mais c'est littéralement ça. Oui, on est là. Oh le coup de lag, oh je déteste ça, surtout quand je suis en vidéo. Ah mais moi là j'ai le jeu, il a du mal. Ah non mais moi Oula. aussi hein. Alors on est vraiment désolé que ça lag autant, mais il y a vraiment beaucoup de bordel. Voilà, c'est terminé. C'est bon, ça lag plus? Un petit coup de lag, mais c'est vite En fait quoi. fait, ça lag vraiment quand il y a des gens, hein. C'est une dinguerie. On devrait partir de cette zone. Mais on est en train de tous les fumer! Ouais, littéralement. Bah, c'est qu'on a géré de fou en vrai. C'est une dinguerie! Pourtant, je suis mort une fois, j'ai failli mourir une deuxième fois. Bah, je suis mort une fois aussi, j'ai T'as vu failli. tout le. C'est pas en mode bot qu'on a tous les corps au même endroit! Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Il y a quelqu'un là vers moi, il essaie de s'échapper. Je vais essayer de le flinguer là. Allez, fini. Il a été rapide celui-là. Encore? C'est mon perso, toi! Oh! Voilà, c'est mon perso, c'est pas le tien! Non mais oh! Sous peu, il allait mourir parce qu'il était empoisonné. Grâce à moi. Ou à cause de moi, peu importe. Par contre, j'ai pris des trucs pour réparer mes armes parce que le nombre de fois où je tombe en rade parce que mes armes, il faut les réparer. Ah ouais, non mais. En mode classé, c'est Là, je vais en incroyable. profiter, je vais en profiter, je vais le faire maintenant. Moi, ça va, je suis Comme ça. 79 sur 80. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas tomber en rade. Eh, il y en reste 6, hein, il reste 2 teams, hein. 2, 4, ouais, c'est ça. Il reste 2 teams. Je t'ai dit, on va le faire ce top 1. Ou alors 3 teams et il y en a 2 à une. Non, non, c'est pas possible. Il y a forcément 2 teams et il y a nous compter dedans. Dans les 6, en fait, il y a nous Ah, compter parce dedans. que quand il n'y en a qu'un seul qui meurt, ça le compte quand même en vie parce qu'il n'est pas tout de suite mort. Bah, c'est ça. En gros, si tu meurs, et bah, ça marquera 5. Ça marquera 5. Et dès que tu me réas, ça me remettra 6. D'accord. Ce qui est pratique. Ah, on est hors de la zone. Je l'ai pas vu. Ouais, non, mais être dans la zone, ça fait laguer le jeu. Ouais. Après... Oula, ça se bat là. Ouais, mais on va les laisser se battre entre eux. Allez, viens là, toi. Ah, mais non. Oh, ça serait épique qu'avec toi, on ait l'event. Voilà, j'ai utilisé mon ulti. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé mon ulti. J'avais oublié ce qu'il faisait. Oh, viens Je avec suis moi. la reine des neiges. Libérée, délivrée. T'as pété le mode PVP, Elle a la cape de la reine des neiges, elle l'a plus, mais. Oh, il y a des gens en bas. Ben, c'est la dernière team. Ah, vas-y, on se les Eh ben fait. allez. Je vais les immobiliser. Parce qu'ils ont quasiment plus de vie en plus. Ça va beaucoup aider. Voilà. Top 2, top 1! On a fait top 1! Eh ben GG mon gars. Là là! Allez! Oh t'as vu Il est combien? beaucoup plus savoureux quand ça vient du mode classé. Ah t'as vu? Oh t'as vu le nombre de dégâts que j'ai fait? Attends, moi je regarde l'anime, l'animation. Pas là là.
J'en ai fait des dégâts quand même, hein! Ouais, et t'as vu le nombre de dégâts que j'ai fait? Ça se voit, il y en a un, je veux les kills! J'ai fait deux fois moins de dégâts que toi et j'ai plus de kills que toi! Non, c'est parce que j'avais l'arme légendaire et j'empoisonnais, donc ça a dû compter aussi. Ah. Mais franchement, il est beaucoup plus savoureux parce que quand t'es en mode bot, tu sais que t'as fumé environ 60 bots. Mais quand t'es en mode classé, tu sais que t'as fumé 60 gars. Et là, t'as dominé le game quand t'es en mode classé. Ah non, mais fou, on a galéré là, mais comment c'est ouf. Et c'est beaucoup plus intense aussi. Parce que en mode bot, c'est vrai qu'on galère pas tant que ça en fait. Oui, bah en même temps, je mets en mode On fait des solo. top 1 tout le temps. Mais là, en mode classé. Oh, ça m'a rappelé Spider-Man 2 quand je l'ai fait. Et que je l'ai fait en mode spectaculaire. Et que chaque mouvement fallait que ça soit au millimètre. Parce que sinon, je pouvais me faire dégomme. Là, pareil, je me suis retrouvé à 10% de vie. La meuf, elle s'était un peu. Elle s'était un peu raise. Donc, elle avait un peu plus de vie que moi. Je savais que je devais l'esquive. Que je devais mettre les coups au bon moment. Sinon, j'étais mort. Et Ouais, je l'ai fumé. J'en ai même fumé deux du coup avec mes 10% de vie. c'est sûr. Bon, je vais faire C'est une dinguerie. c'est sûr. Bon, les gars, on vous laisse, enfin peut-être pas en live, mais pour la vidéo, on vous laisse là avec Zolendro et on vous dit, on vous dit, abonnez-vous, likez, Abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on like, on commente on partage. et c'est carré. On partage aussi, voilà. Et sur ce, à plus! Peace!